Tout le monde en Bretagne est sensible à la consommation électrique. Si moi, j'ai choisi de changer mes radiateurs, tout le monde peut faire un geste simple en changeant ses séchoirs à main, en prenant une consommation beaucoup plus réduite à 1500 watts. J'ai fait le choix avec un artisan de changer mes radiateurs grille-pain contre des fluides caloporteurs pour avoir un bien-être beaucoup plus agréable dans le salon, une chaleur beaucoup plus constante et au niveau financier, je vois un gain sur la facture. La consommation électrique, je n'ai pas tout fait en même temps. Je change mes ampoules électriques au fur et à mesure qu'elles grillent. Les spots qui sont plus jaunes sont des anciens spots que je changerai au fur et à mesure. Lorsque vous faites un shampoing, vous les séchez. Oui, voilà. Oui, je fais un petit brushing quand même là-dessus. C'est vrai que sans économiser d'eau, on consomme davantage d'eau, c'est logique. Le gain actuellement sur la consommation, c'est qu'avec ce produit-là que j'ai acheté une somme modique de 15 euros pièce à peu près, donc j'ai installé tous mes bacs, ceux d'étage également. J'ai vu quand même un tiers d'économie sur ma facture d'eau. Ça, c'est sûr. Et vraiment, j'incite à mes confrères à le faire dans leur salon de coiffure. Et c'est tout simple, Il suffit de dévisser ici, on revisse le nouveau produit et ça fonctionne très bien. J'ai sensibilisé quand même pas mal aussi mon équipe à ne pas laisser couler inutilement de l'eau lors d'un shampoing ou d'une émulsion de coloration. C'est important. Je viens passer un moment très agréable et j'ai entière confiance aux produits utilisés. Il n'est pas rare dans notre métier de faire des allergies. C'est pourquoi dans mon salon, j'ai choisi personnellement d'utiliser des produits 100% naturels. Mais il y a d'autres alternatives. De ce moment de détente, j'adore le parfum des produits. J'aimerais que ce bien-être soit partagé par tous dans mon salon. Donc, comme vous pouvez voir, effectivement, dans mes mains, j'utilise pour le travail au bac des grands contenants. Et donc j'ai fait la démarche dernièrement d'acheter des éco-recharges pour pouvoir re-remplir les grands contenants. Je trouve que c'est quand même mieux. J'ai moins de grands contenants dans les poubelles et les éco-recharges, ça porte bien son nom. Pour limiter l'impact sur l'environnement, j'ai décidé avec toute mon équipe de mon entreprise de faire un tri sélectif avec les flacons. Je les mets dans des sacs spécifiques pour cela maintenant. De toute façon, aujourd'hui, ne pas se préoccuper de l'environnement.